C'est nous réunir 19h06 sur les ondes de RTCI. Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. C'est ce qui vient de reprendre et qui se poursuit jusqu'à 19h30. Permettez-moi de saluer mon ami Fasolehlili qui vient de prendre la relève du côté de la réalisation. Hanneb Marlem qui est à la coordination. Sofiane, notre ami du web, euh, grâce à qui nous passons en direct via Facebook et j'ai le plaisir de recevoir, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, un professeur en littérature comparée. Il est espagnol, il est de passage parmi nous en Tunisie pour donner un cours de Master 2 en littérature comparée. Donc à tous ceux qui s'intéressent à la littérature comparée, ceci euh, pourrait euh, vous inspirer ce soir. Il travaille particulièrement sur le rapport entre littérature, cinéma et mode. Bonsoir, Chema Paz Gago. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien, très bien. Je suis très content en Tunisie toujours. Tout le plaisir. Et pour nous, c'est loin d'être votre premier passage par RTCI. Euh, non, non, je, je, je suis je, je un habitué suis, je, 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 je suis du programme espagnol. Qu'on salue d'ailleurs. <laughs> et, et de la Tunisie, oui. Très bien. Donc, on va parler avec vous dans quelques instants de votre dernier ouvrage, La Mode. C'est ainsi que cela s'intitule, et vous allez nous expliquer ce rapport entre la mode et littérature, qui personnellement m'interpelle, parce qu'en Tunisie, quand on parle de littérature comparée c'est essentiellement une comparaison qui se fait entre deux auteurs de, de langues différentes. Littérature différente. nationale. Exactement, oui. entre deux littératures nationales. Là, c'est le rapport entre, finalement, deux oui. modes d'expression qui semblent oui. complètement différents. La oui. littérature et la mode. Donc, oui. chers auditeurs, ceci va certainement vous intéresser à rester avec nous. Ça, la et des nôtres. Bonsoir. Comme tous les oui. vendredis, bonsoir. Ça bonsoir va. à tous les auditeurs. <laughs> Alors, à l'ordre du jour pour ce vendredi 9 décembre 2016, l'école tunisienne. Exactement, et plus particulièrement le classement PISA donc qui est un classement euh, euh, des systèmes scolaires dans le monde où malheureusement la Tunisie figure dans les derniers il n'y a pas une très bonne nouvelle ce soir non. pour nous. Hein D'accord. Donc, euh, vous allez nous vous en parler euh, tout à l'heure. Alors, pour l'instant, pour l'instant, euh, je vais me tourner vers euh, Chema Paz-Gago. Ce n'est pas votre nom exact, en réalité. C'est un petit nom. Euh, mon nom, c'est, comme tous les Espagnols, José María. <laughs> tous les Espagnols s'appellent José María. D'accord. D'accord. Et euh, donc, pourquoi Chema Qu'est-ce que ça veut dire Chema, c'est un petit nom, José. Chema, Marie, Ma. Chema. D'accord, oui. bien, bien, bien. C'est un petit nom de guerre. Alors. Un nom de guerre. Oui. <laughs> D'accord, très bien. Alors parlez-moi de ce dernier ouvrage, La mode oui. dans la société contemporaine. Oui, J'arrive alors... à décoder quelques mots d'espagnol, alors très 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 difficilement, mais bon, je fais des oui. efforts ce soir. Et de oui. ce rapport plus particulièrement entre la littérature et la mode, est-ce que est-ce oui. que ça, là, ça, ça t'intéresse Oui, bien sûr. Oui. Oui. Tout ce qui oui. concerne la mode m'intéresse. <laughs> je découvre, je redécouvre que, ça là ce soir faut grâce que à vous. Je dise que je suis dans ces studios avec des femmes à la mode. <rire> <rire> mais j'expliquais tout à l'heure que les, les fripes en Tunisie c'est quelque chose de super euh, important et que tous les Tunisiens s'habille dans les fripes tunisiennes. Tu as expliqué ça à oui, tout à l'heure. Oui, il oui, se passe des choses très intéressantes au ah, ah, généralement, dans le compte. C est, c est <laughs> très, très intéressant, parce que je, je suis un grand défenseur de la mode recyclée, de l'éco-fashion. Mm -hmm. C'est-à-dire, il faut euh, recycler les, les habillements. Et en plus, les grandes marques font des habillements d'une très grande qualité qui peuvent avoir plusieurs vies. Alors, c'est intéressant et c'est aussi une mentalité écologiste euh, nécessaire actuellement. D'accord. Alors, quand vous dites le rapport entre la littérature oui. et la mode, alors, oui. qu'est-ce que vous voulez dire par rapport oui. Est-ce que c'est l'influence de la mode sur la littérature Est-ce que c'est l'influence de la littérature sur la mode Expliquez-moi. Oui. oui, alors, d'une part, les historiens de la mode euh, ont des sources, par exemple des revues, des archives, des, des images, des archives de, des grands couturiers, mais n'ont jamais compte d'une une source fondamentale qui est la littérature par exemple la littérature française cela cela savait énormément des modes il a fait par exemple un super bon roman au bonheur des dames oui, il a fait Hanle... pour mon bonheur à moi <laughs> il a écrit pour moi ce roman voilà, voilà. alors et c'est une, une espèce de biographie du fondateur tel, de le bon marché Exactement. qui existe tellement à Paris voilà où il nous, nous, nous fait un reportage incroyable de comment était la mode dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et les, les grands marassins, c'est l'accès de la classe moyenne à la mode. Avant, c'était seulement les grands célébrités, les nobles, les princes qui pouvaient aller chez un grand couturier et se faire un habillement. Les grands marassins ont permis à la classe moyenne d'accéder à la mode. Et ça, dans les romans de cela reste très clair. Euh, actuellement, par exemple, une amie, euh, romancière française à Paris, qui vient d'avoir les grands prix de l'Académie, euh, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, mm -hmm. dans son premier roman, qui a un titre déjà à la mode, Fourrure. fourrure mm -hmm. Voilà un phénomène absolument nouveau du XXIe siècle. Elle décrit les personnages comme elle s'habille par les marques qu'ils portent. Investe oui. Christian Dior. Euh, une cravate et Saint Laurent, c'est-à-dire dans le XXIe siècle, la mode est devenue marque. D'accord. Ce n'est plus les le, le designers, les créateurs sont les marques. Voilà que les romans actuels euh, rencontrent de la mode à travers les marques. Oui. C'est vrai, vrai que c'est dingue, euh, oui, c'est vrai que c'est absolument surprenant qu'on parle surprenant. de marque au, au sein surprenant. de la littérature. Oui, c'est surprenant, mais, mais voilà, mais voilà. j'ai analysé les romans du 19e siècle, ils font des descriptions merveilleuses, poétiques, romantiques, de la mode comment s'habiller les personnages, par exemple Proust. Mais actuellement, les romanciers espagnols, anglais, euh, français, euh, tunisiens, j'imagine, ils font des descriptions à travers les marques. C'est surprenant, mais c'est que la littérature et la mode, euh, c'est en quelque sorte, sont expression de nos sociétés, de, de l'air des temps. Déjà, Coco Chanel disait ces phrases-là. Tout à fait. La mode, c'est l'air du temps. Euh, lit aussi, Balzac a dit la mode est l'expression des sociétés. Et alors, la littérature démontre cela. D'accord. Alors euh, j'ai compris. Donc euh, on pourrait imaginer qu'un, on va dire un, un manteau euh, Zara pourrait servir de source d'inspiration pour, pour un romancier. J'ai nommé une marque qui n'a pas besoin qu'on lui fasse oui. de la pub, évidemment. Et euh, Il y euh, est de chez moi, mais, de, de la Corogne. Ah de chez vous. Oui oui. oui. Ah d'accord, oui. très bien. <laughs> Alors, mais mais en même temps, est-ce que vous avez travaillé sur d'autres euh, formes de mode qui touchent, oui. je dirais, à des faits plus euh, sociologiques? à des phénomènes de mode, enfin euh, je dirais euh, euh, national, plus particulière liée à des euh, courants politiques, euh, liée à, à des ethnies oui. particulières, à une pensée particulière, à une idéologie particulière. Oui, la mode a une grande force communicative, euh, sémiotique. Hein. Et alors, euh, nous parlons à partir de notre habillement. Tous les tribus urbaines, les groupes politiques ont Trouver des signes vestimentaires. No? C'est-à-dire, nous, nous les voyons, nous, les, les punkies, les beatles, les hippies, les, les, les rasta ont des signaux vestimentaires. La mode sert à ça, à créer des identités collectives ou individuelles. Et aussi, dans mon livre, j'ai développé une chose la mode est toujours révolutionnaire. Hein? La révolution française, par exemple, a été une révolution de mode et les révolutionnaires ont été connus comme les sans-culottes. Ah ouais. Par un signe vestimentaire. Tout à fait. Par, par, non? Tout à fait. Et, et, par exemple, tu as parlé de Sarah. Le fondateur de Sarah, que je connais très bien, Amancio Ortega, il est un grand révolutionnaire social. Pourquoi Parce que, imaginons un, un adolescent d'une famille défavorisée qui veut être à la dernière mode grâce à certaines marques de comme Pull&Bear, Stradivarius, il peut avoir une chemise à la dernière mode à un prix convenable. Oui, parce qu'il y a un prix convenable justement oui. en Europe, c'est loin d'être le cas en Tunisie oui, où la marque demeure assez chère. Et Stradivarius assez aussi ou euh, non, moins cher, ou Bers Berska, moins cher, voilà. Moins cher, moins cher. Est pour les adolescents. Notamment et... plus accessible, c'est pour les ados en effet. Alors, d'autres phénomènes de mode, il me semble que vous avez travaillé également sur la question du voile. Oui, oui, oui. Alors, eh, ma thèse... Vous voyez comment ma question est livres, tendancieuse. Ouais. Vous voyez alors, comment j'amène une question tendancieuse. Pour moi, la mode est séduction, est un système de séduction. Nous nous habillons de cette façon pour que les autres nous aiment, pour faire plaisir aux autres, mm. pour séduire les autres. Alors, pour s'aimer aussi, aussi, non Pour s'aimer oui. un tout petit peu, pour se faire plaisir, pour... Euh... Oui, aussi. Être d'accord sur le reflet aussi, que le miroir aussi, nous offre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Être bien avec soi-même est très important. Et les marques nous donnent cela. Nous Exactement. Donnent une, une charge, une recharge émotionnelle. Un peu, peut-être, n'est pas très durable. Mais oui. Alors, euh, en revenant à ce que tu m'as demandé, euh, que c'était quoi La question <laughs> sur le voile. Les et voiles. Ben. voiles. J'ai discute beaucoup avec mes étudiantes. Il y a des étudiantes avec des voiles et sans voile. Et elles m'ont dit. Le Coran dit que la femme doit couvrir ses cheveux pour ne pas exciter les hommes, pour ne pas séduire les hommes. Alors voilà, euh, effectivement, si la mode est un système de séduction, les voiles essaient de casser cette séduction-là, éviter que les, hommes, que, que les hommes soient séduits. Alors je me demande toujours pourquoi les hommes ne portent pas des voiles. Oui, c'est une question <laughs> que les, les, les femmes se posent souvent. Mais en même temps, je pense que vous avez dû mesurer qu'en Tunisie, le voile pouvait aussi être une forme de séduction. Effectivement, effectivement. Je n'oublierai jamais une fille avec des sabilles noires très pressés à son corps avec un voile rouge c'était oui. l'image de beau. la séduction oui, très alors beau. les voiles servent à éviter <laughs> la séduction et à provoquer la séduction alors je vais vous expliquer pourquoi je vous ai posé cette question très tendancieuse ce soir, ce soir pourquoi je vous ai dirigé vers vers ce sujet c'est parce que j'ai reçu un message la semaine dernière euh, après euh, le dernier qu'on peut ça après notre émission de la semaine dernière euh, Sarah, où on a parlé de discrimination et il y a une étudiante qui nous a envoyé un message euh, une étudiante qui vit à Paris en ce moment qui fait ses études qui elle est tunisienne elle poursuit ses études à, à Paris et qui m'a parlé justement de cette discrimination vis-à-vis -vis des étudiantes qui portent le voile, qu'elle a vécu en Tunisie et qu'elle continue de vivre à, à, à Paris, en, en France. Et j'ai été très sensible à ce message qui m'a beaucoup touchée. Et bon, j'essaie de lui répondre un tout petit peu ce soir, simplement en disant qu'il est ridicule aujourd'hui de continuer d'avoir des préjugés sur les femmes qui portent ou qui ne portent pas le voile. Franchement, qu'on nous laisse tranquille, qu'on qu porte ce qu'on a envie. Et, euh, et, et chacun a un voile particulier. Et moi, je crois qu'il y a des voiles pour chaque personne. Chaque personne porte oui. le voile différemment. Oui. Il a une signification, euh, en fait, à différente propos, à chaque à fois. À propos des chrétiens, nous avons eu pendant des années les voiles. Les femmes, les pour entrer à l'église, devaient porter des oui. voiles. Oui. Alors, c'est pas exclusif de, de l'islam. Mais je crois la règle d'or, c'est la liberté. Respecter la liberté Exactement. des autres. s'ils mettre des voiles, qui les mettent, sinon... Bien, alors, euh, professeur euh, donc, Chema alors dites-moi, Tchema Pazgago, comment faire pour assister à vos cours et Je m'adresse aux étudiants qui sont à l'écoute <laughs> pour d, ceux que ça intéresse. Pour l'instant, à master d'espagnol de, 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 et littérature espagnole et je recevrai euh, volontairement... Ça, se passe, le, ça le, se passe où À la fac de lettres, à la Manouba. À la Manouba, Manouba. d'accord. Oui. Je rappelle que vous êtes là de passage et que vous oui. êtes professeur à Paris Également. Oui, Paris, trois nouvelle Sorbonne, professeur visitant. Très bien. Et, et je suis en poste à la Coruña, Espagne. Bah écoutez, c'est un grand plaisir de vous avoir eu parmi nous ce soir. Grâce à vous, on a parlé mode et littérature. Ça, la ça inquiète un peu, parce qu'il reste très peu de temps pour la COVID. <laughs> non, non, pas du tout. Non, grand... été avec non, écoutez, c'est intéressant. Hein oui, c'est très intéressant. Très intéressant. Alors bon, donc ça... là, on va changer de registre. On va changer de registre parce que c'est un sujet qui fâche un peu. On va parler de l'école tunisienne et ça, elle n'a pas, euh, on va dire, de très bonnes nouvelles. Hein, Exactement. Ce que cru comprendre. Mais alors, donc, je vais vous parler du classement PISA. Donc, pour euh, vous faire un petit rappel, c'est le classement de l'OCDE qui classe les systèmes scolaires dans le monde. Donc, la Tunisie, comme je vous disais, figure parmi les derniers. Et euh, je vais profiter de la présence d'un professeur espagnol pour lui demander ensuite euh, son avis sur le classement et comment ça a été, euh, euh, comment ça a été accepté en, en Espagne. Mais d'abord donc euh, comme je vous disais la, la Tunisie a perdu une place par rapport au dernier classement 2013. Alors oui, je sais que c'est dé déprimant, d'être toujours mal noté parce que la Tunisie elle est mal notée dans plein d'autres classements aussi, mais j'ai des raisons de vous remonter le moral ce soir et de relativiser un peu ces mauvais résultats. Alors tout d'abord, sachez que la France et les États-Unis sont considérés comme médiocres dans ce classement. Les États-Unis sont 25e et la France 26e, sur 70 participants, loin derrière les premiers de la classe qui sont Singapour, le Japon, l'Estonie, Taïwan et la Finlande. Bon certes la Tunisie est 65e, ce qui est vraiment dans les derniers, ce qui mais est absolument déprimant. elle est entourée d'autres amis bonnets d'âne comme elle, le Pérou, le Liban, le Kosovo et l'Algérie. Mais deuxième remarque qui nous laisse un peu garder la tête haute, c'est que finalement ce classement se concentre sur un seul type de performance qui sont les sciences. Donc soumis à plus de 500 000 élèves de 15 ans, les épreuves évaluent la capacité de ces élèves à mobiliser des connaissances pour répondre à des questions pratiques du quotidien, et ceci autour de trois thématiques, donc la compréhension de l'écrit, et surtout les sciences et les mathématiques. Or, ces choix d'épreuves ne rendent pas compte du niveau de tant d'autres domaines, comme les arts, l'histoire, etc. On est encore une fois dans un schéma de pensée qui dit que le scientifique est l'idéal à atteindre, avec son corollaire économique, savoir déchiffrer le monde, le rationaliser pour mieux le contrôler. Mais en même temps, pardon, de t'interrompre oui. ça, là, il me semble qu'il y a aussi euh, une épreuve qui porte sur euh, la culture générale. Ah non, alors euh, moi j'ai vu sur euh, l'écrit en fait, sur la compréhension de l'écrit. C'est la seule partie un peu qui, euh, qui euh, se comment dire se rapporte au français en très fait, bien à la littérature. Mm -hmm. Et donc rappelons que les objectifs de l'OCDE, qui est l'Organisation de la coopération et du développement économique. Euh, c'est de restaurer la confiance des marchés avant tout avant les hommes donc on est vraiment dans une logique purement économique mais donc après cette petite parenthèse philosophique pardon revenons <laughs> sur le cas de la Tunisie il y a, on a rien quoi <laughs> ça va super bien hein. il y a deux points positifs quand même dans ce rapport la Tunisie a un système scolaire relativement égalitaire que ce soit au niveau social et au niveau du genre donc en fait les filles sont aussi mauvaises que les garçons c'est ce censé nous bon. remonter <laughs> le moral ça c'est <laughs> ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Et oh, donc euh... je n'en reviens pas <laughs> qu'elle me dise ça ce soir. Et au niveau des différences sociales, elles sont a priori quand même gommées par le système scolaire ou en tout cas, elles impactent peu au niveau des résultats. Donc ça c'est quand même pas mal. Oui, en compensations... ça ça veut dire qu'il y a des élèves dans les régions de l'intérieur qui sont de loin parfois meilleurs que ceux au sein des grandes villes et même dans les écoles privées. Ouais. Et ça, c'est très important. Et ça veut dire que donc l'école, elle les remet euh, au même niveau en tout fait. À fait. Ce qui n'est pas le cas de la France, euh, qui a des résultats catastrophiques à ce niveau. Donc le ministre, la ministre française de l'Éducation, Najed Vallaud Belkacem, a d'ailleurs fait un aveu terrible il y a quelques jours à la parution du classement. Elle a dit :« La France est le pays de la reproduction sociale. C'est un mot très lourd. Plus on vient d'un milieu social défavorisé et moins on a de chances de réussir à l'école. » ouais. Le déterminisme social est inacceptable inacceptable. Tout à fait. C'est terrible de dire ça. En Tunisie, est-ce qu'on en est là ou va-t-on vers une école à deux vitesses comme en France A priori on est on encore loin de la situation française mais avec le développement des cours particuliers on pourrait se demander euh, si on arrive à ce niveau-là. Et donc voilà, j'en profite pour euh, poser une question à M. Paz Gago et euh, savoir ce qu'il en pense de ce classement PISA est-ce que ça a de l'importance en Espagne Est-ce qu'on fait Alors, attention à ça À mon avis, les postes dans le classement PISA n'est pas du tout préoccupant. Et tu as dit, euh, imagine-toi que l'Espagne a dévancé les États-Unis, oui, parce exactement. que nous sommes dans les postes 24. Alors, on est juste après. Et les Vous sept... êtes 28e, l'Espagne est 28e. Ah, 28e bon. mais, mais enfin, euh, c'est pas préoccupant, ce sont des critères assez subjectifs, un peu arbitraires. Alors, euh, ne tient pas compte des réalités de chaque pays. Par exemple, les élèves en Finlande sont, dans chaque classe, 10, 10 élèves avec 10 ordinateurs, avec chauffage, avec tous les... Tous les... Euh, tous les avantages euh, ouais. matériels Alors, euh, oui. différents des de, de élèves de la Côte d'Ivoire, par exemple. Alors, mm. je crois qu'il n'est pas du tout... Est-ce que c'est comparable Et Il ne faut pas se déprimer. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, des pays euh, qui ont de gros problèmes, on va dire, euh, économiques, nous dépassent. Oui. Comme le Vietnam, par exemple. Le Vietnam, alors c'est le seul pays du tiers-monde euh, qui figure non, mais parmi mais les premiers en fait. Mais du là, c'est une autre histoire. Le seul. Les, une, autre les, histoire, les, les, une autre histoire, si expliquez-nous. Les étudiants, les élèves asiatiques sont obsédés entre les 1200 et les 600 avant d'entrer à ils sont obsédés. Il y a un énorme taux de suicide par des échecs scolaires. Et, par exemple, j'étais l'année passée en Corée et c'est vraiment effroyable comme ils sont obsédés. Ils n'ont même pas des vacances, des grandes vacances. Ouais. Moi, Mes je élèves. préfère de très loin qu'ils soient mauvais et qu'ils soient heureux. Oui. Sincèrement, sincèrement, qu'ils soient épanouis. <laughs> J'aurais aimé qu'ils soient très qui bons, et épanouis Mais et... si c'est pas possible, on a pas qui envie qu'ils deviennent suicidaires. <laughs> voilà, 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 de quoi nous remonter le moral en <laughs> voilà. effet. Oui, ça là pour finir. Oui, pour conclure, juste pour dire que ce fameux classement PISA, j'aimerais donner une dernière info, c'est qu'il est financé par les donc ça veut dire que l'État tunisien l'a financé et donc euh, s'intéresse aussi. On à... a payé pour avoir ces résultats. Oui, on oui, est payé. Est mais ça veut dire aussi que l'État, <laughs> le, min, le ministère de l'Éducation euh, souhaite améliorer son système. Donc c'est ça qui est intéressant. Certainement. En tout cas, voilà de, de quoi nous donner, enfin euh, plein, plein, plein de points d'interrogation. On se pose beaucoup de questions euh, suite à, à, à ce classement. Merci beaucoup Sarah Défin, Charles, hein. pour cette chronique. Merci. C'est avec toi que se termine Campus pour ce vendredi 9 décembre 2016. Un grand merci. Merci à Tchema Paz Gago. Merci beaucoup d'être venu à RTCI ce soir, de vous être déplacé. qu'on puisse prend fin dans cinq minutes exactement. Le bulletin complet de l'information, juste après, Mohamed Dog, il sera des vôtres pour le programme espagnol. Ceci vous intéresse, Chema. Si vous avez envie de le rencontrer, il a aussi un grand monsieur de l'université tunisienne ce soir. C'est Eddie Dreyf qui animera votre soirée avec Late Night. Un grand merci à Faisalah Lili qui m'a accompagné à la réalisation ce soir. Merci à Année qui était du côté de la coordination. Un grand merci à Sophie notre ami du web c'était Ahlem Reyes et depuis 18h je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis je vous retrouve dimanche matin à partir de 10h sur une autre planète avec Eddie Drive c'est de Salamalou les Milou. au revoir